Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme toutes ces périodes de fond confinement, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles du collège. Le collège qui continue à fonctionner et à aider les familles qui sont en délicatesse avec Pronote, à essayer d'aider les enseignants également qui rencontrent quand même pas mal de difficultés avec les vidéos. C'est pas qu'ils savent pas faire, c'est que bon, le système marche moyen, donc certaines heures sont très perturbées. Il faut pas pour autant que les élèves perdent patience, il y aura bien forcément des moments où ces vidéos pourront avoir lieu. Cette semaine, nous n'avons pas accueilli d'enfants de soignants. Par contre, ce sera le cas la semaine de la rentrée et je tiendrai les parents au courant qui nous en ont fait la demande dans la journée et je solliciterai des enseignants pour venir les accompagner ou ils seront pris en charge par des assistants d'éducation. Voilà, le service de restauration, bien sûr, ne fonctionnera pas. Dans les semaines à venir, lorsque nous aurons repris, nous avons maintenu l'évaluation, la certification, pardon, PICS, qui aura lieu, si tout va bien, la semaine du 17 mai. Et puis, la SSR sera maintenue également, je pense, dès la semaine de la rentrée. Si on peut, nous la réaliserons le 7 mai, le vendredi de 9 à 10, comme initialement prévu. Voilà. Donc j'en profite une journée à l'avance pour vous souhaiter de bonnes vacances et surtout bien vous retrouver auprès de vos enseignants à distance la semaine de la rentrée. On n'a pas 3 semaines de vacances, hein, je vous rappelle bien, 2 semaines de vacances, puis le distanciel qui reprend pendant une semaine avant de un grand plaisir, j'espère, de vous réaccueillir normalement ou au moins dans les conditions qu'on a connues ces dernières semaines au collège. Voilà, bonnes vacances à tous et à toutes et à la semaine de la rentrée.